3, 4. Non, là, c'est bon. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo où je vais réagir au trailer de la saison 1 et du chapitre 4. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à mettre la cloche des notifications. Donc, on est tout de suite parti. Donc, je mets la webcam et on est tout de suite parti sur la page de Fortnite FR, là où il y a les deux trailers, celui du pass de combat et celui du chapitre 4 saison 1. Donc c'est parti. Donc là j'agrandis. Donc malheureusement, suite à l'absence de mon PC gamer, la qualité sera de 720p au lieu de 1080. J'en suis désolé, peut-être un peu moins vu la qualité d'enregistrement. 3, 2, 1. On est parti. Alors là, on a... On regarde et après on réagit. J'ai fait tout mon possible. C'est ton combat désormais. Waouh, waouh, waouh. On soulève des montagnes. Beau. Incroyable. Super. Donc ça c'est la nouvelle map, d'accord. Donc on va un peu décrypter tout ça. Donc en fait j'ai cru que en arrivant sur la vidéo que ça c'était déjà la nouvelle map. Là, en fait, pas du tout. Là, on a ici une... Alors, attendez, on va regarder. Là, en haut, vous voyez, c'est la lune où on a été avec le robot pour aller vers la réalité qui a été détruite. Là. Donc, ensuite... Donc là, j'ai cru que c'était la nouvelle map. Mais là où on a des ondes gravitationnelles, je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais c'est beau, quand même. J'ai fait tout mon possible. C'est ton combat désormais. Donc là, ça c'est le point zéro qu'on a réanimé. Il vient chercher des morceaux de map. Voilà. Pour le ramener. Là. Au niveau du point zéro. Et du coup, la map, elle est constituée de plein de morceaux d'autres réalités. Là, on a le bras du robot. Là, on a quoi? On a le crépier. Je sais même plus comment il s'appelle. Là, on a une espèce de monstre. J'espère que c'est pas un ennemi encore, comme les loups. Là, on a un tracteur. Et puis après, on a d'autres choses. Un cheval, camion de boulevage. Une pioche ici. Alors, je sais pas si vous la voyez. On va faire un truc, attendez. Hop, vous voyez ma tête. Hop, on va mettre en full screen. Comme ça, grâce à la souris, vous allez pouvoir suivre ce que je vous montre. Là, on a une autre pioche. On a la foreuse. Le temple. Un char. On a carrément un char. Des morceaux de map. Enneigée, montagneuse. Je sais même pas s'il y a du désert. La cabine téléphonique, Hulk, le nounours, le dragon, la tête de la bamboche, Mr Beast, une forêt. Et c'est très très beau. Là, on pourra même plus sortir de la map. Je sais pas si vous le voyez.
Il n'y a plus la mer autour, donc on ne pourra même plus sortir de la map et aller au loin. Les limites de map, ça sera là. Mais après, il y a des morceaux là extérieurs. Je ne sais même pas si on pourra aller dessus ou pas, ou, ça, ou si ça va s'agréger au fur et à mesure que les saisons vont passer. Et là, on a un nouveau bus de combat. Et des nouveaux skins ici. Une nouvelle pioche, elle est stylée celle-là par contre. On va voir les motos. Et puis voilà, c'est sympa. Donc, alors attendez que je vous remette normalement. On va maintenant réagir au trailer du pass de combat qui se trouve, hop, sur la même chaîne. Donc, sur Fortnite FR. Alors, c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est parti. Alors, attendez, parce que ça bug un petit peu. Je filme avec mon ancien setup. Cet ordinateur date de 2017 quand même, hein. Je vous le rappelle. C'est quand même assez... un PC assez vieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On regarde. On a les motos. On a un nouveau graphisme quand même. C'est quoi ça? On verra ça après. Ah, il y a des boules à neige. On pourra se mettre dedans. Le fusil à pompe tactique. Waouh, 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 c'est quoi ça? Là, il y a beaucoup de choses à regarder là. Alors, je sais pas si je suis toujours en ligne. Ça a l'air d'aller. Tu vois, 44,5%. Ok. Alors, nous, on va retourner là et on va analyser un petit peu ce qu'il y a là-dessus. Ça fait combien de temps que je filme? 8 minutes. Alors. Attends, je vais débloquer. Hop, on va faire comme la dernière fois. Je vais vous montrer avec la flèche. Alors, déjà... On a les motos. Voilà, comme je le disais. On pourra monter avec un équipier. Il y aura encore les chasse-pierres. Il y aura encore les voitures. Ça, c'est sûrement une emote. Ouais, sûrement une emote. Après, les villes, je sais plus. Ça c'est quoi ça? On dirait un oiseau qu'on pourra envoyer chasser. Waouh. Ah carrément quoi. Là, ici, là, on a un bouclier. Voilà. On aura un truc de repérage comme les fusées éclairantes par exemple. On pourra tirer en moto, mais derrière. Donc la boule à neige. On pourra monter dedans. Et écraser les joueurs. Alors lui, je sais pas du tout. Le lance-roquette, oui.
Ça, c'est une arme qu'on va tout détruire avec, d'accord? Le fusil à pompe tactique. Alors là, je sais pas ce que c'est, on dirait le Kamehameha, mais différent. Oh, je vais tout péter avec ça. Ah si, c'est Polar Peak. Si, c'est Polar Peak, ça. Ah, c'est incroyable. Et ça, c'est la map. Elle a l'air assez belle. Oh, il y a quand même assez d'océans. Ok. Hop. Ah ouais. Alors attends. Donc c'est ainsi que s'achève cette petite analyse des trailers. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai eu vraiment beaucoup de mal à les faire. Voilà. Bon, ok, je vous fais des bisous, à la prochaine.